du côté de Vegapunch. Vegapunch qui a raté son combo et qui va prendre une sphère dans la tête. Zéro dégâts. Allez, les vrais combos de Ménat. Merci. Hey, on ramène la sphère. Cross-up, c'est la deuxième fois qu'il prend le même combo exactement. Avec V-Skill et le pif qui est attiré, puni par les satellites. Et il a quand même perdu le match. Et c'est ça qui est beau. Fallait s'y attendre, hein. Fallait s'y attendre. Ah, c'est mal engagé. Dolphin évité, mais une première shot spéciale. Allez, on emballe le match. Ouais, il a évité la deuxième shot avec un backdash. Bull charge, il est toujours dans son V-Trigger. Il a quand même deux barres. Faut juste trouver une ouverture de garde light sans se faire jamais ouvrir. Bou. Voilà, c'est ça que vous parlez. Un peu de folie. Et deuxième shot X. Ouh, il a aucune raison de prendre un risque et de piffer. Non, il a aucune raison de le faire forfeit. C'est super ce qu'il fait pour le moment malgré la pression et les multi-shots spéciales. Ah non, le whip finish qui a raté complètement. No mais shit. Il est quand même dedans. No shit. Comme back cul. Le stun, malheureusement, il ne l'a pas atteint. Dommage parce que le V-Trigger de Luke, il est activé. Et vous connaissez la lecture de Fenor pour mettre ses pifs. Knuckle, Rising Upper, joli. Et Remix Up, il a vu en effet. C'est moyen point, il presse avec Shop Spécial X, et c'est Bolt Charge bien confirmé sur bas moyen pied, voilà, beaucoup plus offensif à trouver le stun. Perfect de good lag, perfect de good lag, et ouais,